Le championnat national de trot a été émaillé par un accident peu courant dimanche à l'hippodrome de Cano, sur la commune de Séné, Morbihan, près de Vannes. En début d'après-midi, un cheval s'est emballé pendant une course. Le cavalier a été éjecté de son sulky, petite voiture hippomobile, et l'animal a poursuivi son chemin de manière incontrôlée jusqu'à sortir de la piste, rapporte le Télégramme. Après avoir renversé plusieurs barrières, il est venu percuter un spectateur. Ce dernier a été pris en charge par les secours. Ses blessures ne seraient heureusement que légères. Le cheval a été rapidement maîtrisé et reconduit au box. Le cavalier n'est pas blessé.